Bonjour à tous, c'est Cédric pour la chaîne KB Tech. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ne pas changer, on va se faire une petite plage. Vous savez que j'adore faire les plages. Celle-là, elle n'est pas bien grande, mais il y a quand même pas mal de monde qui vient l'été ici. Donc je pense qu'on va quand même pouvoir faire quelques découvertes. Voilà. Aujourd'hui, il va faire très très beau. À mon avis, il va faire très chaud. Bon, allez, alors, je commence tout de suite la vidéo. Je ne vous retiens pas plus sur cette intro. Allez, go! Je vous reprends là pour ma première cible. Ça sonne bien, hein. Et c'est une 10 francs, un génie de la Bastille. On a encore des vieilles monnaies sur cette plage, c'est cool. Allez, je continue. Je vous reprends de nouveau là. Pour une petite monnaie. Une 5 centimes de franc. Bien fatigué, hein. Elle est toute oxydée. Voilà. Allez, au prochain son. Je vous reprends là. On va faire un son ensemble. Un son à 82. Je t'aime bien, c'est à 82. Je pensais que c'était une monnaie. Et non, c'est le reste d'une clé. Voilà, une clé cassée. On continue. Et de nouveau une cible. Ce point est dans les pièces modernes, les euros. Pour la première pièce en euros, c'est une 20 centimes. Voilà. Allez, c'est la première pièce en euros, on continue. Go. Et on continue. Un joli son à 84. Au début, j'ai cru que c'était une monnaie. Ça faisait le même son qu'une monnaie. Mais en fait, regardez. C'est un dé à coudre. Celui-là est fragile. Il est joli. Il y a des petits motifs là en bas. Voilà, dommage qu'il est abîmé. Allez. Je vous reprends au prochain son. Je vous reprends de nouveau. Ça sonnait bien à 75, à 75 pour l'or Eric. Et c'est une monnaie, mais elle est toute oxydée. Je penserais pour une 20 francs coque. Je ne sais pas si vous voyez là-haut, le A du franc, je pense. Ah oui, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, on voit un peu le vin. Là. Ouais, donc ça doit être une 20 francs coque.
On verra au nettoyage si on peut la rattraper. Normalement, ces monnaies, on peut bien les rattraper. On verra ça. Voilà. Allez, je vous reprends au prochain son. Je vous reprends là, un son qu'on va faire ensemble. Un son à 77. Un joli son, hein. Eh ben non. Je pensais que ça allait être une belle cible. C'est une douille. Voilà. Bon. Tant pis, hein, ça sonnait bien. Allez, on continue. Je vous reprends de nouveau. Ça faisait un joli son. Allez, mince. Et c'est un plomb. Un plomb de pêche. Un 30 grammes. Voilà. Sur ce joli plomb, on continue. De nouveau, une monnaie. Une petite monnaie. Tout oxydé. Mais je penserais pour une 5 centimes. Là, on voit un peu de jaune. Donc, je pense que c'est une 5 centimes de franc. On verra au nettoyage si j'arrive à la rattraper. Voilà. Allez, on continue. Sur cette belle petite monnaie toute rouillée. A plus. Je vous reprends là, j'ai fait la 5 centimes toute rouillée ici. Et là, j'ai un autre son. C'est une monnaie. Je pense que celle-là, c'est une 20 centimes de franc. Pareil. Tout oxydé. Mais bon, normalement, ces monnaies se rattrapent bien. On verra bien ça au nettoyage, mais voilà. Allez, je continue. Et je vous reprends là. Un joli son à 85. Et c'est une belle monnaie. J'ai déjà regardé. Une 2 francs morlon, je pense que c'est. Je suis content. J'aime bien ces pièces. Bon, elle est un peu abîmée. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Je vous reprends là. Les audissons comme on les aime. Bon, c'est pour une pièce moderne. Une 20 centimes de francs. Pas très abîmée. En bon état. Je ne vais pas la nettoyer, je vais la laisser comme ça. Voilà. C'est une plage où il y a beaucoup de monnaie. Mais on va dire que je prends les meilleurs sons, les sons qui pètent parce que ça sonne de partout. Elle n'est pas bien grande cette plage, mais il y a des sons. Hein. Voilà. Donc si on trouve des monnaies, c'est cool. Allez, je vous reprends au prochain son. Et un nouveau son. Un son à 75. Et c'est encore une monnaie pour ne pas changer. Voilà. Voilà. Allez, on continue sur cette belle monnaie. Je vous reprends là, les amis. J'ai quitté la veste. Il fait chaud, il y a le soleil. Ça fait du bien. Et j'ai une nouvelle cible. Ça sonnait à 63. À mon avis, c'est une perte récente parce qu'elle est toute belle.
Turquise, c'est écrit. Peut-être une pièce turque, je sais pas. €25. Je sais pas si c'est pas une pièce turque, mais si je me trompe, dites-le moi en commentaire, je suis désolé. Mais en tout cas, elle est belle cette monnaie, toute neuve. Voilà, allez, on continue. Je vous reprends là, les amis. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être à la plage avec le soleil, avec le détecteur et bien évidemment avec des sons. Ben, y a des bons sons comme ça en creuse, hein. Allez, on va le faire ensemble. On va faire ensemble. Et c'est un déchet, une capsule de bière. Allez, on continue. Je vous reprends là. C'est une monnaie encore. Parfois les monnaies, ça n'arrête pas. Par contre, je peux absolument pas vous dire ce que c'est. Là, c'est écrit 25. 25 quoi, je sais pas. Je vais essayer de gratter. On dirait 25 francs, mais je connais pas cette pièce. Il y a une date là. Bon, on va pas l'abîmer plus, on va essayer, on essaiera de la nettoyer à la maison. Mais je sais pas du tout ce que c'est, voilà. Si vous avez des idées, laissez des commentaires. Allez, à vos claviers les gars, je vous reprends au prochain son. Je vous reprends là. Pour une vieille monnaie. Là on voit un... On voit pas bien. Hein. J'ai l'impression là, on voit une tête, un buste. Est-ce que ça serait une Louis XVI ou une Napo, je sais pas. Je peux pas vous dire, elle est vachement rincée. Hein. Mais en tout cas, il y a des vieilles monnaies ici, franchement, ça fait plaisir. On fait que ça, faire des monnaies, c'est cool. Voilà. Allez. Je vous reprends au prochain son. À tout à l'heure. Voilà les amis, la vidéo se termine. On aura fait un plomb de pêche, un dé à coudre et tout le reste, bah, c'était que des monnaies. On a fait beaucoup de monnaies sur cette petite plage. Je reviendrai parce que il y avait beaucoup de sons, énormément de sons, donc j'ai pas tout fait. Je pense que je reviendrai sur cette petite plage. Elle est sympa, elle est au calme. Voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À laisser un commentaire et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, c'était Cap Detect et je vous dis à très bientôt. Ciao!
Voilà les déchets qu'on peut faire. À bientôt.